Aqua Christian Center. C'est une nouvelle église qui fait couvrir porte-li dans la communauté haïtienne. Pailaqua Christian Center is a new church in the Haitian community. Au mois de mai 2020, alors que l'épidémie COVID la fait commencer à battre aux États-Unis, dans Connecticut, il y a plus d'une vingtaine de jeunes haïtiens américains qui fait partie d'un groupe depuis 20 ans qui a étudié la Bible avec un pile notion théologique et de prière aussi, décidé de mettre sous pied yon l'église pour génération ça. Puis la quoi? In May 2020, at the beginning of the COVID pandemic, a Bible study and prayer group of about 20 young Haitian Americans in Connecticut decided to form a new church for this generation. Yo te gen à la tête yo trois leaders, pasteur Ronel Richardson, pasteur Davidson Dagrin et pasteur Thibaut de Nazareth. Entre eux, qui a plus que 35 années d'expérience pastorale. This group was led by three pastors who had more than 35 years of pastoral ministry experience between them. They were Pastor Renel Richardson, Pastor Davidson Dagrin, and Pastor Thibaut de Nazareth. Après un pile planification, un pile étude, un pile la prière surtout, après 40 jours de jeûne entre eux, groupe ça avait grandi jusqu'à plus d'une centaine de jeunes leaders aux États-Unis, dans plusieurs États, Canada et Haïti. After lots of planning, studies and prayer events including 40-day fasting, the group grew to more than 100 young leaders from Canada, Haiti and several states in the US. Après 3 ans et demi, en octobre 2023, groupe l'a décidé ouvrir un programme de prière, une veille de nuit tous les vendredis soirs de 8h à minuit. In October 2023, after 3.5 years, the group decided to start a watch night prayer every Friday night. Pendant 6 mois, bon Dieu t'a accompagné groupe ça, dans activité ça qui était un gros succès. God approved the Friday night prayer program. It was a success for the intended 6 months of its existence. C'est comme ça en mars 2024, groupe la Tevin acquéri un gros espace. Elle était décidée bâti le temple à l'Éternel. So in March 2024, the group leased a pretty big empty industrial space and started the ambitious project of building a temple for God. C'était un coquin défi puisque temple ça il doit refléter grande gloire de l'Éternel et aussi grande mission ça pour génération. It was a great challenge. The temple had to reflect the greatness of our God and the grandeur of our vision, even though we were only starting. Défi a été plus gros toujours, leur considérer ces 2-3 leaders qui mettent ensemble pour dépenser presque moitié million de dollars dans la construction du temple, alors que pas de kogé peuple, pas de kogé assemblée, pas de kogé congrégation. Ils ont voulu commencer à lever des fils à côté, c'est pas comme peuple, mais c'est comme eux-mêmes, ensemble avec Zamio, qui pour mettre ensemble, pour bâtir un temple à l'Éternel, et puis pour peuple à venir, venir adorer, sans qu'elle saute. The challenge was even bigger, considering that it was only a few leaders who had to come up with hundreds of thousands of dollars by themselves. There were no congregation to lean up on, no assembly to contribute financially. The goal was to build a church where the people could just come to worship and praise, with peace in their hearts. Construction a duré près de 4 mois, avec un pile effort, un pile sacrifice. Petit monde, grand monde, tout le monde mettait main, tout le monde mettait cerveau, tout le monde mettait poche. With a lot of sacrifice, the construction lasted about 4 months. Adults, children, men and women, everyone was involved in making the project a reality. Malgré qu'elle sautait, malgré défi sous défi, bon Dieu t'es campé à groupe ça, nous t'as parlé de miracle en miracle. Despite the fears, despite the stumbles, God stood with the group through all the challenges. And the project was going from miracles to miracles. Jouk te dimanche 5 mai 2024, d'après la dictée de l'Éternel, d'après la demande du Saint-Esprit, groupe là te fait premier service yo, ensemble, en bas construction.
on Sunday, May 5, 2024, following the Holy Spirit's revelation and command, the group had their first Sunday prayer service, even though the construction was still going on. Construction a continué malgré un pile dépenses qui t'a multiplié dans affaires pour l'équipement, son, instrument, dernier cri, dernier modèle, avec dernier caméra, avec computer et tout ce qu'on a en l'église qui a besoin et même ça nous pas connaît. The construction was going forward, even when the expenses were multiplying with top-notch sound equipment, instruments, cameras, computers, lighting fixtures, and other technical materials. C'est concernant le mois de juin 2024, premier service dimanche était ouvert aux membres fondateurs, leurs familles et leurs amis. And in the month of June 2024, the church has its first regular Sunday services, with the founding members, their families and friends. Et au mois de juillet 2024, l'église a été ouverte porte pour tout le monde. In the month of July 2024, Palakwa Christian Center opened its doors to the general public for Sunday morning services. Mission et stratégie Palakwa Christian Center ca résumé dans trois points ça yo. Palakwa's mission and strategy can be summarized in the following three campaigns. Premièrement, campagne relâchement. Côté nous pral prendre la rue dans tout coin, dans tout côté pour nous chercher monde qui en bas griffe Satan pour qu'a vienne joindre Christ. Ces campagnes d'évangélisation ça cap continuer jusqu'à ce que Jésus retourne. First, campaign release. We will go out to every corner to look for people under the devil's grip to convey to them the gospel of Jesus Christ. This evangelization campaign will go on until the return of our Savior. Si on connaît monde qui besoin de Christ, puis la croix c'est pour lui. Si on connaît monde cap chercher mon Dieu, puis la croix c'est pour lui. Et si ou même ou est arrivé ou voulez bay vie à Christ, contactez-nous parce que puis la croix c'est l'église ou. If you know anybody who needs Jesus, Palakwa was built for him. If you know anyone looking for Christ, Palakwa is his church. And if you want to join the Assembly of the Saved, let us know. Palakwa is your church. Deuxièmement, dans la campagne réclamation, nous voulons aller pour prendre tout ça pour nous réclamer, yo. Jeunes nous, yo, que nous luttons en pile, nous prions en pile, nous crions en pile, nous dépenser en pile pour faire yoyer ça yoyer jodia et puis connaissance yo l'argent yo force yo ressources yo c'est l'autre communauté qui pas fait rien pour yo c'est là y a baili. Second, campaign reclaim. We want to claim back our youth who left the Haitian community. Even though we had invested everything in them, our prayers, our money and our love, they are only serving other communities. Si ou gen zanmi, frè ou sè ou, ki kite komunote Haïtienne nan, tan pri, kontakte nou, genyon l'église pou yo nan komunote Haïtienne nan. Se piye la kwa, Christian Center. Ou mèm, si ou se ou jeune, si ou se yon moun ou professionnel, et puis, peut-être toute raison que ou ka énumérer ou kite secteur évangélique Haïtien, nap mandou met ou retourne, vin jwenn avè nou pou nou bâti l'église Paola. Relez-nous, contactez-nous. Pied la croix, c'est l'église ou lié. C'est l'église ou a vin fait avec nous en lié. If you have families and friends falling into this category, Palakwa was built for them. If you are a youth or a professional who left the Haitian community for whatever reason, we are inviting you to come back to your roots. Together, let's build Palakwa Christian Center to become the church you've always wanted. Troisièmement, dans la campagne restaurée, puis la croix parle de tout Haïtien, croyant ou non croyant, qui pour une raison ou pour l'autre, ils ont pas arrêté dans l'église haïtienne encore, mais ils ont tellement Haïtien, ils ont parlé dans l'autre communauté. Ils ont été là, ils ont parlé dans le programme qui a un rapport à bon Dieu, puisque ils ont aimé bon Dieu, mais ils n'ont pas jamais fait le membre de l'église locale haïtienne, parce que ils ont découragé à leadership,
yo découragé, yo pa croire encore que l'église locale yo ka vraiment mené yo bay bon Dieu. Et bien pied la croix, c'est l'église qui fait exactement pour ou même qui comme ça, ou même qui perd du espoir, ou même qui pa croire que leader yo parle pour yo vraiment assez. Et bien pied la croix, c'est l'église Paola. Vin bâti la avec nous. Gen expérience ou fait, nous pour qu'on fait. Nous tout se restaurer nous dans pied la croix. Mais on gon bagay ou capoter. Nous ka vin faire ça ensemble. C'est peut-être ça. Nous même dans pied la croix, nous casser tête tourner, nous dit non, nous pas arrêter dans la rue, nous pas arrêter gailler l'église, la famille chrétienne, li fait pour nous ensemble. Nous besoin assembler, nous besoin prier ensemble. Et c'est pour ça pied la croix vient avec campagne restaurer, c'est pour vous. Contactez-nous. Vin bâti l'église ça à côté toujours réveillé. Third, Campaign Restore. There are numerous Haitians, believers and non-believers, who stop attending local Haitian churches for several reasons. They stay in the community, but they don't belong to any church, even though they often attend religious activities of different congregations. Because of their bad experience or simply because they have lost faith in the local church leadership, they are not members of any church. If you are one who wants to restore your faith, in a leadership who understands your needs, Pelakwa Christian Center is the church for you. We were all like you, lost between our desire to serve our community and the deception of not given that chance. We suffered, but we believed in our need to be in an assembly. All hope is not lost. God always finds a way for His people. We need each other to form a family of saints to carry one another spiritually and socially. We need each other's experience to become the best of ourselves while serving our Lord Jesus Christ. We are a family who understands the value of each of our members. Our leadership is equipped spiritually and with enough knowledge and love to support each other with respect and care while carrying the Word of God everywhere. Come to us. Pelakwa Christian Center was built for you. Come and make it the church you've always dreamed of. Merci Jésus pour pied la croix, pied la croix, pied la croix, pied la croix. Amen.